pas qui va arriver. C'est le problème quand, t'invites une idole underground. Tu te demandes toujours si au dernier moment, abasourdi par l'idée d'être reçu sur une radio grand public, s'il va pas te planter en se disant, après tout, je suis underground, j'ai rien à faire là. Donc là, il est 25. J'espère qu'il vient. C'est Didier Super. Didier Super est extrêmement connu par un petit nombre de gens qui l'idolâtrent. Mais sinon, il ne passe jamais à la radio, encore moins à la télévision. Et il a cette tête-là. Donc il est célèbre pour ses soupules acryliques et ses lunettes en cul de bouteille. Puis il s'appelle Didier Super, quand même. Frédéric Taddeï. Et c'est là que je dois dire Didier Super. Didier Super. Regarde, les hommes changés. Sur scène, vous avez toujours un soupule, des lunettes assez épaisses que vous n'avez pas là. Donc c'est Je les ai, mais je me suis dit pour faire de la radio, c'est pas la peine d'affiner son look. Mais c'est donc du look quand vous les portez sur scène. Un personnage, Didier Super. Disons que je me trouve plus mignon avec. Mais après, ça me fait des marques au niveau du nez, donc... Me dit qu'à la radio, c'est pas la peine d'être mignon. On va écouter tout de suite une chanson de Didier Super pour que nos auditeurs, qui pour la plupart ne vous connaissent pas, fassent connaissance. Cette chanson s'appelle « Rêve d'un monde ». On l'écoute tout de suite. Elle est dure à faire, celle-là. Aujourd'hui, moi j'ai fait le rêve d'une humanité. Ouais, c'est bien passé, Frédéric. C'est chiant ces questions. À mon avis, il n'a pas payé le disque. Tu travailles toujours avec Corfin Jouet ? Oh non, Corfin Jouet, c'était bien au début, mais maintenant, ça va. Mais c'est des gamins, surtout. Tu reviendras, oui. Hein ? Tu reviendras ? Ouais, enfin, tu leur diras, pas tous les jours non plus, quoi. Parce qu'on a une vie à côté de mon machin. On veut bien vous dépanner. Mais... Voilà, regarde. C'est quoi ? Ça, c'est tous les courriers des auditeurs. Un mot, mon Dieu. Quelle culture aujourd'hui, j'écoute bien souvent votre émission, j'apprécie, mais aujourd'hui lundi 11 septembre, je ne supporte pas. Le quiz, votre invité doit être au niveau zéro et en plus il nous prend pour des cons. Je vous plains, monsieur Taddeï, courage. Il y en a moins une vingtaine, 30. Allez, coupe-moi ça maintenant. Coupe.